Yo les gars, c'est Tox, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo player review les gars. Non, c'est pas sur un joueur qui est dans mon équipe là. Non, non, il est sur le banc. Regardez-moi cette carte. C'est juste une machine de guerre. Les gars, franchement, c'est une machine de guerre. Si parti jouer 4 buts, 4 passes, ça c'est pas des stats correctes, je suis d'accord avec vous. C'est juste parce que je l'ai fait rentrer en qualifié champ à la 85e, 80e, 70e, mais pas avant. Donc aujourd'hui, bah, je vais faire quelques matchs vraiment entièrement avec lui. Et voilà, je vais vous montrer des extraits, comment il est, etc. On va commencer par sa carte, les gars, le présenter. Il fait 1m79 pour 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique avec un pied droit. Franchement, c'est très correct. C'est vraiment très correct, il a beaucoup de physique, 76 de physique, on va voir sa carte. Il a aussi un rendement élevé, faible en attaque, franchement c'est hyper bien comme ça. Lors des contre-attaques, il est toujours devant, prêt à partir dans la profondeur, c'est ce qu'on lui demande, et ça c'est nickel. Donc on va passer tout de suite aux attributs, attribut 89, 93 de vitesse. Oh les gars, il est vraiment trop rapide. C'est un truc de fou, vous le lancez dans la profonde les gars, c'est du pur bonheur. Placement offensif 85, ça se ressent parce qu'il est tout le temps au centre, bien passé pour avoir la passe en profondeur. Il est presque jamais hors jeu, j'ai pas beaucoup d'hors jeu avec. Finition 87, franchement c'est très correct devant les cages hein. Par rapport à sa carte régulière, franchement c'est vraiment très correct devant les cages. Il met la plupart de ses frappes dans le goal les gars. Après puissance tir 89, ça se ressent. Franchement si vous faites pas le double carré, enfin le double touche de tir quoi, eh ben la balle elle va vite partir en lucarne. Donc voilà, les tirs de loin 70, franchement ça se ressent pas trop qu'il a 70. Moi je pense qu'il aurait 80 plutôt. Je vais essayer de vous en mettre quelques-uns des longs shots avec lui dans la vidéo. Penalty volé, ça j'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Vista 80, franchement les gars, il est vraiment très bon en passe, même si passe longue 60, ça pour moi c'est pas vrai parce qu'il a vraiment des passes merveilleuses. Les coups francs, ça par contre j'en ai pas encore testé. Les centres, j'en fais pas avec mes buteurs. Après agilité, tous les niveaux des triples les gars, c'est juste une merveille. Il est trop vif les gars, c'est un truc de fou, c'est un truc de taré les gars. Après niveau physique, 84 de force, 84 de force les gars, il te résiste à des bails, il te résiste à des bails les gars. Mais je vais essayer de vous montrer quelques phases hein, où il résiste à des bails etc. Donc pour un peu vous montrer comment il est, ah ben je vais tout simplement le mettre dans cette équipe. Voilà, je vais le mettre à ce poste là. Par contre je vais lui mettre un contrat. Voilà, et là les gars, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre des extraits pour que vous faites une petite idée de lui en match. On va partir en match simple en ligne. Voilà, ouais donc c'est bon. Attendez la forme. Ouais c'est bon. Autour de cette équipe, franchement, on a une très belle équipe avec du Benedert TOTGS qui est vraiment monstrueux au niveau des frappes, de la vivacité des passes et de la vitesse. Niveau milieu terrain, il est vraiment bon. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par Luis Hernandez, 85 pour ce week-end Fut Champions. Soyez là, les gars, on va faire peut-être un live. Non, je dis bien peut-être parce que parfois, j'y pense pas toujours. Mais en général, j'en fais un. Donc, pour ce premier match, on va tomber sur... Ok les gars, une équipe argent, une équipe argent. Là, c'est le moment de le mettre en valeur les gars. Donc soit, moi je vous laisse avec les extraits. Allez. Allez les gars, Muriel. Muriel sur le côté, voilà, il est passé. Hein. Nickel ça. Hein. Fais le petit... Bim, la frappe de Muriel. Ouh les gars, elle était bien menée même. C'est dominé à la mi-temps. Ah ouais, putain. Franchement, il tente des tirs de partout en fait. De hyper long, il tente des tirs et franchement, il défend bien. Mais ça se voit, il y a son maillot. Voyez, là, je pense c'est un maillot. Voilà les gars, le péno Muriel qui va chercher le péno les gars. C'est bien, franchement, juste avant la mi-temps pour revenir à 1-1 en plus. Ça va peut-être un peu le démoraliser le type. Donc les gars, on va prendre Muriel, il y a 70 de pénaux,
Ah non, il y a 80 de pénalty, pardon. Ouais, il va bien vers là-bas. Muriel qui la reprend et qui la mêle. Il y a le 1-1 volé. Non, il avait combien volé? 85, je pense. Ou peut-être moins, je sais plus. En tout cas, très belle volée. Hein. Donc, le péno, bah, il a bien vu où je regardais. J'ai pas changé. Et donc, voilà. Mais bon, après, on la reprend en volée. Et là, par contre, le gardien, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bim, on lance Ben Yedder. Allez, on va aller chercher Muriel. Muriel, les gars. Il déborde la frappe croisée, les gars. Dommage. Bakay. Hop là. Ben Yedder, les gars. Rizou. On revient en arrière. Voilà la petite faute. Qui passe crème. Bim. Ben Yedder. Muriel, pardon. Et Muriel qui va nous mettre le 2-2. De nouveau, les gars. Je l'ai vraiment éliminé. Juste avec une petite poussée de balle. Hein. Et après, il est tellement rapide qu'il est dessus avant tous les défenseurs. Yes les gars, Muriel, tout ça part de Muriel de nouveau les gars, la petite crochet, après la petite feinte, donc le râteau quoi, et après tout simplement, ça finit dans les pieds de Bim les gars, Muriel, allez la petite passe là pour Martial, pour Muriel encore, Muriel il se retourne, il frappe et voilà les gars, voilà, la puissance de frappe de Muriel mon gars. Bah ouais, vivacité, il se retourne bien, voilà, bah quand même les gars. Muriel là les gars, il a coincé son pied. Moi je m'en fous hein, de ça là, de ce qu'il me met là. Moi c'est juste parce qu'il a coincé le pied de Muriel et ça me fait bien chier. La combinaison les gars, va-t-elle passer? Oui, allez Muriel, ok les gars, le tir de Muriel. Bon après c'était un angle fermé, mais bon, Ben Yedder la reprend. Vous pouvez voir les gars, franchement, c'est un joueur de fou, les gars, Muriel. Il est partout.